Les accords de libre-échange et d'investissement, négociés en secret, menacent nos droits démocratiques, notre souveraineté alimentaire, nos emplois et notre environnement. Il existe déjà des milliers d'accords néolibéraux de ce type dans le monde, et d'autres sont actuellement en cours de négociation ou de ratification, comme le fameux TAFTA. Naomi Klein le rappelait récemment dans une conférence à Paris, cet enjeu primordial est indissociable de celui du dérèglement climatique. Le 18 avril dernier, on se mobilisait dans le monde entier contre ces traités inacceptables qui ne craignent qu'une chose, qu'on fasse toute la lumière sur eux. Le TAFTA, c'est la promesse d'un repas sans faim. Mais pas pour tous. Là, c'est simplement pour la race des seigneurs. Les seigneurs avec les deux orthographes. Le TAFTA, le TAFTA, on n'en veut pas. Le TAFTA, on n'en veut pas. Oui, mais pourquoi? Nous sommes le 18 avril 2015, me voilà en pleine manif contre le TAFTA. Nous partons de Place de la République, puis nous allons à Stalingrad. Pan, pan, traité pour annuler la dette. Pan, pan, traité contre l'austérité. Oh, les pauvres, ils pensent qu'ils vont pouvoir lutter contre ce traité. Quand déjà tout est négocié. Beaucoup d'écologistes ici, ça sent un peu mauvais. Hein. C'est un petit peu terroriste, un petit peu obtus. On les renvoyer devant la télévision parce qu'ils ont l'air de penser un petit peu trop là tout de suite. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Sucer le sang de la démocratie. Je me repais, je me nourris. Plus de 700 actions organisées aujourd'hui. Il y a plus d'une cinquantaine d'actions aux États-Unis là. Ils demandent la même chose que nous. Ils demandent le droit de pouvoir améliorer leur société sans se trouver entravés par des traités. Eux, ils luttent aussi contre un autre traité. Ils luttent contre le TAFTA, mais ils luttent aussi contre un autre traité qui s'appelle le traité transpacifique avec les États de la zone Asie-Pacifique. Donc je propose qu'on fasse un peu de bruit pour nos camarades américains. Ils sont de l'autre côté de l'Atlantique et eux aussi ils luttent contre les multinationales. Le soleil se couche et les vampires ne vont pas tarder à apparaître. Tu fais partie des 99%? Avec le TAFTA, on va vous saigner.